sais pas si vous vous rendez un petit peu compte de ce qui se passe voilà, autour de moi, mais c'est vraiment, vraiment magnifique. Et... Lately I've been thinking that everyone's insane. Lost their minds out in the world and now look who's to blame. Themselves, but they just can't see that. Okay. I have to teach you the twerk. Le twerk. Salut les amis, ça fait un petit bout de temps, je crois que c'est le plus long que j'ai pas posté sur ma chaîne depuis que je l'ai créé, mais j'ai pris un petit peu des vacances et si vous m'avez suivi du coup sur mon Instagram ou sur ma dernière vidéo, je suis partie en Mongolie et c'était ouf, c'était juste, c'était un voyage incroyable, c'était 12 jours donc c'est quand même assez court. Et je suis partie pour la première fois dans un voyage organisé, c'était organisé par Morgane du blog Little Gypsy. On était en tout 8, donc 8 meufs, et c'était dingue parce que ben, on a appris à se connaître en très peu de temps, et on a vécu juste des choses incroyables ensemble, on a ri, on a pleuré, on a eu peur, on a pleuré du coup de peur et de joie à la fois. On a galopé dans les steppes au coucher du soleil, on a mangé des trucs chelous, on a allé aux toilettes ensemble, enfin si on peut appeler ça des toilettes. Vraiment, on a vécu plein de choses dans ces 12 jours. Et ce genre de voyage-là, j'ai toujours du mal un petit peu à essayer de le retranscrire quand je reviens, que ce soit mes proches ou bah, maintenant à vous. Je sais pas trop en fait comment le raconter parce que je vais forcément perdre en fait des détails qui ont fait toute la différence. Donc déjà, faut le vivre. Encore une fois, je vous encouragerai jamais assez à voyager. Et je pense que c'est un pays qui est accessible à beaucoup de monde et vraiment, allez-y. Mais du coup, j'ai remarqué aussi que j'avais quand même pas mal de vidéos, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec les vidéos que j'ai prises, et vous allez voir, on s'est vraiment beaucoup marré, parce que je regardais les vidéos et en fait on est mortes de rire tout le temps, donc évidemment je filmais aussi les moments qui étaient marrants, mais il y a à la fois voilà, des karaokés, des mecs qui sont mis à faire la lutte mongole pour nous au milieu des steppes, des moments en fait où je vous parle un petit peu de mon ressenti. Il y a plein de choses différentes. Si ça se comprend pas par soi, même là où je suis ou ce qu'on est en train de faire, je vous mettrai des petits commentaires. Mais j'espère que ça va vous donner un petit peu envie de découvrir ce pays incroyable. Et c'était une expérience géniale pour un premier voyage organisé. Évidemment, je savais que je connaissais les valeurs de Morgane, je connaissais sa manière de voyager, donc je me doutais que j'allais être avec des personnes un peu dans le même délire que moi. Et même du coup, la rencontrer elle, c'était fou parce que c'est une femme qui m'inspire beaucoup ben, depuis que je la suis sur internet. Mais croyez-moi, en vrai, elle est encore plus inspirante. Et les 7 autres femmes avec qui, ben, 6 du coup, parce que si on était 6 avec moi, 7. Avec, oui, c'est ça. Du coup, les six autres femmes avec qui on était, qui se reconnaîtront, étaient juste incroyables aussi. Elles m'ont toutes beaucoup apporté. Ça m'a énormément enrichi de les rencontrer, de rencontrer aussi nos guides, qui étaient incroyables. On avait une cuistot, une guide et 2 chauffeurs. Et on s'est vraiment éclaté avec eux aussi. Au début, c'était un peu en mode timide et tout. Puis à la fin, vous allez voir aussi, ils étaient plus trop timides avec nous. Je crois que je vais juste arrêter de parler en fait. Et je vais vous montrer. J'espère que ça vous mettra des petites étoiles dans les yeux comme nous, on en a eu pendant 12 jours. On est arrivé
arrivés à notre premier logement, donc les yourtes que vous voyez derrière moi. Et c'est trop cool, franchement elles sont hyper luxe pour le coup parce qu'on a des lits, elles sont hyper propres. Là ils sont en train de cuisiner pour nous, c'était trop bon ce qu'on a mangé à midi. Vraiment pour l'instant c'est la folie, puis c'est la Mongolie quoi. On a croisé plein de groupes d'animaux sur notre chemin, on a croisé des groupes de moutons, des groupes de chameaux, des groupes de chevaux, mais des centaines, bon peut-être pas des centaines, mais en tout cas des dizaines et des dizaines de chevaux. Là je crois qu'on est toutes trop impatientes de commencer à monter demain, et vraiment s'il fait un temps comme ça aussi ce serait parfait. Là il va bientôt faire le coucher du soleil, j'espère qu'on va pouvoir aller voir sur le désert, on va voir. On n'est pas très très loin, je crois on est à une demi-heure, mais c'est la folie en tout cas, je suis trop trop contente. Ah, merci. J'étais en plein dans la ligne de mire en plus, tu vois, genre là, bim. Oh putain, le chien tête en bas. Le yoga, le yoga. Bravo. Regarde, le yoga. On est sur un yogi chameau. J'ai vu la vierge. Je m'en remets toujours pas. Franchement, il a trop une tête à s'appeler Francis, lui. Ah putain. Keep me from getting too heavy to go. When I feel that tug from within, you know I got to be a moving on. On a fini notre première chevauchée, c'était ouf. J'ai fait mon premier trot, mon premier galop. Franchement, j'étais hyper stressée au final au début et j'ai retrouvé le coup de main assez rapidement. Et du coup, maintenant, c'est que du bonheur et ce paysage. Ah, on est au milieu de nulle part, il y a un temple là-bas. C'est oufissime. Et là, avec les filles, ça se passe trop bien. Ça, c'est certain des petits dadas. Le mien, je l'ai appelé Oreo. On leur a tous donné des petits noms parce que les Mongols, ils leur donnent pas de noms. Mais nous, on avait bien envie de les appeler avec des petits noms. Et là, du coup, on va repartir. C'est trop, trop cool. C'est la folie. Dans les froids, dans les flammes, je te jetterai les sommes. Bonjour, madame. Oulan-Bator. They call me the wanderer. You know I got to be around and on. They call me the wanderer. They call me the wanderer. They call me the wanderer. You know I got to be around and on. چار دو هر دامن سردیه ساره یو چار دو هر دامن L'amour de la musique mongole. جمعه سندای خورنجی هاری Ne jugez pas, vous qui ne me connaissez pas.
suis libre et sans loi. Jamais je ne sais, jamais je n'abandonnerai. No. Je suis comme l'air, je suis bien et libre comme l'air. Comme l'air de mes frontières. Jamais je ne sais, jamais je n'abandonnerai. No. Sur hard danger, sur hard danger, yes, son pareil. C'est incroyable. Il est touché le pied. Ah, mais non, mais c'est ouf. Imagine qu'on voulait juste prendre une photo avec le drapeau. Ouh, yes. Bonjour. À travers l'appareil, tu vois. Ça sent vraiment, ouais, je disais ma grand-mère, alors, moi je sais. Ouais. Ça sent un peu. Ouais, c'est. Ouais, c'est fort, hein. Ouais, moi ça me choque pas tant que ça. Ouais. Ça sent un petit là. C'est vrai. Ok. Now what you gonna do when your ship starts to sink? Caught in a monstrous sea, yeah, you won't be able to think. Yeah, and it's there you. On vient d'arriver à notre deuxième campement et c'est incroyable. Bon, je pense que c'est un peu le mot d'ordre de cette vidéo, de toute façon vous l'aurez compris, mais là en fait comparé au premier où on était encore assez proche au final des villes et on avait une route qui était pas loin, là on a roulé dans la pampa pendant genre au moins 4 heures, enfin en tout cas très longtemps, et du coup là on est vraiment vraiment au milieu de nulle part et c'est juste fou. On est entouré par la nature, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là juste derrière moi il y a un petit clan de yaks. Voilà, je vous mettrai sont d'autres images pour que vous vous rendiez compte, et il y a juste la vallée de partout, c'est assez dingue. Là c'est le coucher du soleil, donc on en profite un petit peu. Il commence à faire un petit peu plus frisconnet vu que j'imagine on est au milieu de nulle part, donc voilà. Et demain on remonte à cheval pour aller voir une cascade, j'ai trop hâte. On a encore bien rigolé avec les filles ce soir, on sent que, enfin en tout cas moi je sens qu'il y a des liens qui se créent et c'est assez magique, et du coup ça rend l'expérience d'autant plus agréable d'être avec des gens aussi incroyables, avec des histoires qui nous enrichissent comme d'habitude, et de le partage, c'est un peu la base aussi, donc voilà, je suis trop contente comme d'hab, et là je vais juste continuer de profiter de ce beau coucher de soleil, mais j'avais quand même envie de le partager rapidement avec vous aussi. Alors voilà, ça c'est ma vue avec la petite yourte là-bas,
avec la petite cheminée dedans qui est mise en place. Et là, il y a le petit troupeau. Mais regardez ces reliefs derrière. Et là-bas, il y a les chevaux. Il y a plein d'autres yaks. Et derrière, il y a plein de moutons. C'est juste... Je sais pas s'il y a un mec qui vient d'éternuer ou il s'est une gueule dessus, mais il y a un mec qui vient de crier super fort derrière. Et là-bas, c'est nos yurts. Les habitants, du coup, qui nous reçoivent sont hyper cool. Ils sont vraiment très ouverts. Ils nous ont fait goûter des trucs assez étranges. C'est un peu ce que je disais aux filles. C'est qu'on se sent de nouveau, se sentir envahisseur de la nature, on se sent de nouveau observateur et on se sent juste chanceux de pouvoir voir ça, de pouvoir voir ces animaux dans leur habitat naturel. Malheureusement, évidemment, il y en a qui sont attachés et il y en a qui, parce qu'ils appartiennent aux habitants ici, mais on en a vu plein, des chevaux sauvages, des yaks sauvages, et c'est incroyable à vivre parce que c'est des choses qu'on ne voit plus trop chez nous, malheureusement. Donc on en profite le plus qu'on peut. Je crois que c'est à peu près ça. Ah! Beaucoup mieux. Un peu plus gracieux, Morgane, s'il te plaît. Voilà, c'est mieux. Oh! Alors, allez, oh non, hey, Marseille, Marseille, allez Marseille. Ça me tue. Allez Marseille. Tu peux le faire. Marseille. Ouais. La peine arrive, ça tue. Against the hole, like, and put your hands, like, your legs up if you want. Amy, is it work? Allez! Again! Again! Do it! Come on! Come on! Do this? J'ai jamais essayé le toit. Tu fais la colonne droite en fait là. Non, non, just move your ass.
Through the valley of the shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. In my mind and my gun, they comfort. Short a little bit. Yeah. La meuf qui a rien compris, tu sais. Le bikini, bikini en Mongolie. For example, if I do bad things for my life, that's a cleaner for my body. Okay. Look like a new world. New human in the world comes to your money. Well, I came upon a man at the top of a hill. Called himself the savior of the human race. Said he'd come to save the world from destruction. Dernière nuit dans une yourte, je suis trop triste, ça sent la fin là. Bon, il fait pas beau, il fait un petit peu froid, donc je crois que tout nous dit que ça y est, c'est un beau point final à ce séjour incroyable. Mais bon, je profite des derniers instants. On a un petit chien ici, on est tombé trop amoureuse de lui, on a trop envie de le ramener. Mais voilà, c'est un peu compliqué. On profite des derniers instants avec toute l'équipe qui était absolument incroyable aussi. Et puis je crois que je vous ai pas trop montré les yourtes, donc je vais vous faire un petit tour du proprio. La deuxième était encore plus sympa, quoique elle est plutôt cool aussi, hein. Mais vraiment on a été super bien accueillis de partout, on a eu beaucoup de chance et on a eu un super groupe. Là les derniers jours va être fort en émotion, je pense. Je sais pas si je refilmerai une dernière séquence. Alors voilà l'intérieur de la yourte. C'est quand même une yourte luxe, hein. Parce qu'on a regardé, on a des lits avec des matelas et tout, alors que moi à la base je pensais qu'on allait être en mode parterre, vraiment à la route, mais au final on a été vraiment hyper hyper bien. L'autre yourte où les filles étaient est beaucoup plus déjà avec de l'herbe de partout, elle est pas fermée et tout, donc c'est déjà beaucoup plus un peu route, mais voilà. Et il y a des petites peintures de partout en fait sur les barreaux là, je sais pas comment ils appellent ça, c'est hyper beau. Et il y a ce truc qui fait un peu flipper mais qui porte chance apparemment, c'est de l'écrin de cheval. C'est un peu étrange, je vous l'accorde, mais voilà, c'est les traditions. Là comme prévu, ce voyage va changer beaucoup de choses, donc je suis trop contente et maintenant je vais aller manger le mon petit déj. Je sais. Oh oui, oh que tu es beau. Oh gna gna. Tellement beau d'amour. Bye bye.
J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et juste avant de finir, je voudrais dire un énorme merci à Morgane qui a pris l'initiative d'organiser ce voyage qui était juste incroyable et que j'aurais peut-être pas eu en fait le courage de faire toute seule, donc j'avais besoin de ce petit coup de pouce et du coup j'ai vécu certains des plus beaux moments de ma vie, des vrais moments en fait de lâcher prise, en particulier sur le cheval, parce que j'avais abandonné l'équitation quand j'étais ado par perte de confiance en fait, j'avais l'impression que j'étais plus en contrôle, que le cheval était très imprévisible, j'avais très peur de tomber, j'avais très peur que quelque chose arrive et du coup j'ai abandonné bêtement. Là du coup je me suis réconciliée avec ça, j'ai appris à complètement lâcher prise avec le cheval et j'ai vécu un galop au coucher du soleil que je me souviendrai toujours. J'avais la petite larme à l'œil et tout. J'ai aussi flippé des moments, j'ai aussi manqué des moments importants parce que par peur, et du coup ça m'a appris des choses et je le recommencerai pas. Il faut toujours aller surmonter ses peurs et aller au-delà de ça. Mais bref, tout ça pour dire merci Morgane, merci les filles avec qui j'étais. Merci l'agence aussi, je vous mettrai le nom de l'agence en barre d'infos parce qu'elle était incroyable, ils nous ont vraiment vraiment chouchouté et j'ai trop hâte pour le prochain voyage et la prochaine aventure. Et j'espère que ça vous aura donné envie vous aussi de prévoir vos prochaines petites aventures, donc dites-moi en commentaire là où vous comptez aller et ce que vous avez pensé cette vidéo aussi. Et je reprends les vidéos régulièrement, du coup, cette fois c'est promis, je laisse pas des petits trous d'un mois comme ça. Donc je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao! Thinking that everyone's insane, lost their minds out in the world, and now look who's to blame, themselves. But they just can't see that. So pack your bags and leave the past, let's go for a ride. The wind and water carry us, they will be our guides. Tonight we'll just sail free.